En ce moment, j'ai une frénésie de lecture, vous imaginez même pas. Donc écoutez, pour y répondre, let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je viens de vous le dire, en ce moment, j'ai envie de dévorer mes livres d'une façon exponentielle. Donc pour répondre à cet appel, et vu que j'avais du temps aujourd'hui, bah toute la journée, j'ai décidé de me lancer dans un 24h Edaton. L'année dernière, j'en avais fait un seul et c'est une expérience qui m'avait beaucoup plu. J'espère que cette expérience sera tout aussi concluante que celle de l'année dernière. On va voir ce qu'il en est, et si c'est pas le cas, bah écoutez, ce sera pas grave. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est clairement mon ambition, puisque voici ma palle pour ce 24h Edaton. Vous allez me dire, mais que fait-elle? Et vous aviez bien raison, même moi je me pose un bref. Pour sûr, j'aimerais lire Les Mondes des Whelan, La Forêt des Captifs de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Je vais enfin me plonger dans Les Mondes des Whelan, qui était la première trilogie que j'ai achetée de tout le monde des Whelan. Et bah c'est enfin le moment de le lire, donc c'est parti. Tout ça pour me mener à Elana, hein. On est toujours d'accord sur ce point-ci. Le second livre que j'aimerais lire pendant ces 24 heures, il s'agit du Major par les trous de Agatha Christie. Ici, ce n'est pas une histoire de Hercule Poirot, mais on va suivre Miss Marple, qui est en vacances aux Antilles. Il va s'avérer qu'il va y avoir beaucoup d'histoires qui circulent, et il me semble que le majordome, comme disait le titre, parle beaucoup, et ça va l'amener à sa mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce que la personne a voulu cacher en le tuant? Qu'est-ce qu'elle avait peur potentiellement que le major révèle? Je ne sais guère, mais ça va aller très vite, je pense, puisque c'est un livre qui fait combien de pages? 250 et quelques pages, et vous voyez, les écritures sont assez espacé mine de rien, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Et c'est vrai que pour Ewilan, je ne vous l'ai pas dit, mais on est sur combien de pages? Enfin, c'est ambitieux ça, dis donc. 300 et quelques. Bon, après, franchement, Ewilan, j'ai déjà l'expérience de la quête d'Ewilan et des deux premiers tomes d'Elana qui se lisent vraiment tout seul, ça va super vite. C'est très fluide dans l'écriture. Merci Pierre Bottero. Et mine de rien, c'est quand même assez gros en termes d'écriture. Hein. Là, en ce moment, vous voyez la petite briguette là de Assassin Royal. On n'est pas sur la même taille de typographie. Ça, c'est clair. Ensuite, on arrive dans les graphiques. J'en ai un petit peu, je vous avoue, puisque bah, j'aime bien aussi mélanger un petit peu tous les genres et tous les styles. Alterner, je trouve, un roman et un graphique, ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Le premier, c'est le manga de Naruto, ici, le 6e tome, donc la suite, finalement, de ce que j'avais déjà. Voilà. Je vous l'avais présenté, ce tome-ci et le tome 7, dans mon butin de Noël. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas commencé. Le dernier Edaton, je l'avais débuté. Là, vraiment, tous les livres que je vous présente, je n'ai rien commencé du tout. Donc, ce sera d'une traite. Voilà. J'enchaîne avec le second tome de Berserker. J'avais lu le premier tome il y a peu, je ne vous ai toujours pas fait de point de lecture pour vous en parler, mais je vous promets que ça arrive bientôt. De toute façon, là, je vous reparlerai brièvement du 2, puisque j'ai pas fait ça dans le bon sens, pardon. Mais je vous avoue que cette vidéo n'était pas prévue, c'est juste que j'ai super envie de lire. Donc je me suis dit, écoute, t'as très envie de lire, t'as envie de dégommer ta balle et de faire que ça de ta life. Autant le filmer, voilà. Bref, c'est ici la suite de Berserker. J'enchaîne avec le premier tome de The Nice House on the Lake. Je vous avais aussi fait le résumé il y a peu, donc je vais pas faire une réédite encore une fois, et puis de toute façon je vous en parlerai une fois que la lecture sera faite, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est le dernier tome qui compose vraiment cette pile des 24 heures pour sûr. Et ensuite je me suis dit, dans le doute, s'il me restait encore un petit peu de temps, lol. J'ai prévu la suite, forcément, de The Nice House on the Lake. J'ai le second tome dans ma palle, donc bah, pourquoi pas le continuer, puisque j'en ai l'occasion. Si j'ai envie de le continuer, au moins je saurai que je peux. Et s'il me reste un petit peu de temps, et bah, je le continuerai. Et quand bien même il me reste pas de temps et que j'ai envie de le continuer, bon bah voilà, je le ferai, qu'on se dise. Et enfin, le dernier bonus que je m'accorde, si jamais il me reste encore du temps, là pour le coup, c'est de terminer une de mes lectures actuelles. Donc il s'agit de Je serai le feu de Digli. J'en suis à la page 167, donc on est à peu près au milieu du livre. Donc je me dis que ça peut être chouette aussi de le terminer, en sachant que j'aime bien le format, puisqu'on part sur, bah voilà, ouais, bon, par exemple, hop, on est sur Patty Smith, on a le dessin de Digli, elle l'a fait pendant son Inktober qui l'a inspiré. Ensuite on a une petite biographie écrite par Digli, donc elle a choisi les éléments qu'elle souhaitait. Et ensuite on a les textes de la personne qui s'en suivent. Hop. Voilà, vous voyez, ça s'enchaîne plutôt pas mal. Ça, c'est le bonus si jamais j'ai terminé tous mes livres. Et que, bah, par exemple, j'ai pas envie de continuer The Nice House on the Lake tout de suite et que j'ai envie de faire une petite pause écriture, j'en sais rien. Bref, bah voilà, au moins c'est là. Je me dis, dans le doute, je pourrais le terminer, puis ce sera un livre de plus, de lu. Voilà.
Bien évidemment, je n'ai pas mis ma lecture en cours de la Sassa Royale, puisque j'en suis à la page 600 et quelques, et le livre fait 1100 pages. Donc, autant vous dire que si je m'étais décidée à terminer aujourd'hui, je vous aurais pas présenté grand-chose en termes de livre. Voilà. Mais c'est une lecture que j'aime toujours beaucoup, même si j'aurais des choses à redire, je vous en parlerai en temps voulu. Voilà, sachez que j'ai aussi ce livre que je suis en train de lire actuellement, mais je vais mettre en pause pour aujourd'hui, hein, sinon on va s'en sortir. Je n'irai pas jusqu'à le mettre dans mes bonus, hein, faut pas abuser non plus. Au pire du pire, si vraiment j'ai terminé toute ma balle et que je n'ai plus rien à lire, bah, je pourrais continuer ça, mais là faut... non. Pas pousser mes ménages vertus non plus, hein. Je me suis parée aujourd'hui de mon plus bel accoutrement. J'ai mis le gros sweat de mon mec pour me tenir chaud. J'ai mis double chaussettes et des guêtres. Et mon legging le plus confortable pour pouvoir me lancer dans ces 24 heures. Mon chien est promené, il est en train de dormir en petite boule à côté de moi sur le canapé. Toutes les conditions sont donc réunies pour que tout se passe au mieux et que je puisse réussir ce challenge une nouvelle fois. Et ben on n'a plus qu'à lancer le chrono et puis bah let's go. Il est actuellement 20h15 et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit chien qui est en train de dormir tout contre moi, donc je n'ose pas bouger par dévotion. Je voulais quand même revenir en parler puisque j'ai terminé le Major par les trous de Agatha Christie. J'ai aussi terminé Berserker avant ça et j'ai enchaîné avec celui-ci. Je ne peux pas aller le chercher pour des raisons évidentes de petit chien, mais quoi qu'il en soit, j'ai terminé. Je reviendrai dessus quand je pourrai l'avoir en main. Concernant cette Agatha Christie-ci, et bah comme d'habitude, je n'ai encore une fois pas lu toute sa bibliographie, mais j'ai encore beaucoup apprécié ce tome-ci. C'était hyper cool. Là, pour le coup, on n'était pas avec Hercule Poirot, mais Miss Marple. On a élucidé un mystère qui a été très très chouette. On part du coup de ce major qui se fait tuer pour avoir raconté une histoire sur un meurtre. Il est à deux doigts de montrer une photo du meurtrier qu'il a dans son porte-monnaie. C'est un peu excentrique, mais soit. Et il s'avère qu'il meurt dans la nuit et va s'en suivre toute une péripétie avec d'autres histoires et d'autres meurtres, vous vous en doutez, à résoudre. Donc forcément, j'ai trouvé ça hyper chouette parce qu'on part d'un postulat et dans la résolution de l'histoire, on passe en revue tous les personnages qui composent l'hôtel. Et ce qui est trop cool et ce qui est trop bien fait, comme d'habitude, c'est que tous les personnages ont une raison potentielle d'avoir pu tuer quelqu'un, forcément. Nous, on arrive à faire des connexions dans notre tête. Il y a toujours le major qui a vu quelqu'un, mais on sait pas qui, on sait pas quoi, on sait pas pourquoi. Parfois c'est une femme, parfois c'est un homme. C'est hyper imprécis, vous doutez bien, pour que le suspense soit à son comble. Du coup, tous les personnages sont passés au crible et tous les personnages ont une raison. Alors, si vraiment, pratiquement tous ont une raison de commettre ces meurtres. Ah, il y a une évolution du petit chien. Attendez, je vous montre. Autant vous dire que je suis pas prête d'aller manger, je pense. Bref, je disais avant de m'interrompre que je trouvais ça trop cool que du coup chaque personnage soit passé au crible et qu'on soupçonne chaque personnage parce que chacun a potentiellement une raison. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que forcément les personnages sont loin d'être manichéens. C'est-à-dire que personne dans ce livre ne fait patte blanche. Il y a des histoires qui sont entremêlées les unes aux autres. Tous les personnages ont quelque chose à cacher sous le tapis. Donc c'est trop cool parce que du coup tout s'entremêle et on se demande qui est-ce qui est lié à quoi. Bref, je trouvais ça hyper haletant. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je suis hyper contente encore une fois, comme l'année dernière, d'avoir lu un Agatha Christie en un coup, parce que c'est toujours hyper cool et c'est toujours très agréable de suivre l'enquête de A à Z
sans interruption finalement. J'ai eu une petite interruption, c'est pour ça que j'ai fini un petit peu tard, j'étais au téléphone avec ma meilleure amie et du coup ça a un petit peu duré, bon bref c'est pas grave. Ça m'a fait ma petite pause, j'ai envie de vous dire. Et voilà, et donc du coup c'était hyper chouette, je suis très contente d'avoir terminé ce tome-ci. Je sais pas très honnêtement sur quoi je vais enchaîner par la suite. Là je vous avoue que j'ai un peu faim, donc je pense que je vais manger dans un premier temps. Et puis ensuite, vu que là j'ai fait un comics, un roman, je pense que je vais enchaîner sur... Je vais peut-être lire The Nice House on the Lake, le premier tome, puisque vu que j'ai mis le second en bonus, je me dis que ça me fera une petite pause entre, si jamais j'ai envie de continuer, je pourrais lire autre chose entre temps. Et puis continuer sur ce petit bonus demain, en sachant qu'il me reste, j'en ai lu 2 sur 5, puisqu'il me reste Les Mondes des Willan, le premier tome, le sixième tome de Naruto et The Nice House on the Lake. Je trouve que 2 livres pour le début de ce challenge, ça commence plutôt bien. Je sais pas combien de temps il me reste, je vais regarder, je vous dis ça. Il me reste donc, comme vous l'avez vu, 18h30 à ce challenge, ce qui est énorme. Sachant que je vais dormir, soit, et qu'il va y avoir une promenade de Dogo, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, j'ai encore énormément de temps. Ah, on a un petit chien qui migre. Oh, s'il tire. Ah bah, on est reparti pour un tour. Ouais, en sachant que j'ai encore beaucoup de temps pour finir de lire 3 livres, bien qu'ils soient quand même assez épais et il y a quand même un roman dans le tas, mais bon bref, j'ai bon espoir que je réussisse. Là je vais manger, je vais encore lire ce soir, donc il y a peut-être moyen que je finisse The Nice House on the Lake ce soir, donc il me restera que 2 livres entre guillemets à terminer demain. J'ai commencé vers 15h je crois, il me semble, le challenge, j'ai pas regardé l'heure. C'est pour ça que vous le savez pas, parce que moi non plus. Je pense que si on fait la déduction par les maths, je pourrais calculer, mais encore une fois je suis une littéraire et je suis nulle à chier en calcul, voilà. Écoutez, je vais voir ce que je vais faire avec mon chien. Coucou. Oh mon pépé. Il est trop mignon, hein. Petit bout de cul. Oh là là, vraiment. En tout cas, il a l'air réveillé, donc je vais peut-être aller manger. Du coup, je vais en profiter pour aller manger. Et puis ensuite, peut-être faire une petite pause de lecture encore. Et puis après, je reprendrai tranquillement. Et je vous dirai ça. Et j'oublie pas de vous faire un petit point sur Berserker, ce que j'en ai pensé aussi. Allez, à toutes. Comme prévu, je reviens vous voir un petit peu plus tard. J'ai eu le temps de manger entre temps. Je vous avoue que cette fois-ci, je vous ai pas pris avec moi parce que j'avais trop la flemme de cuisiner. Mais vraiment, du coup, j'ai pris une poêle, j'ai pris les gnocchis, j'ai fait revenir les gnocchis. Et écoutez ça, j'ai mangé du tofu, des carottes, des champignons. Voilà, donc autant vous dire, vraiment pas de quoi vous partager une idée de recette quelconque, clairement pas, désolé. Hormis cette non-aparté de recette, du coup, je voulais revenir avant de continuer mes lectures pour vous parler de Berserker, le tome 2 que j'ai terminé en premier lieu. Pour vous parler brièvement de l'histoire, parce que finalement je ne vous ai toujours pas parlé du premier qui devait sortir dans un point lecture, qui n'est toujours pas là. Donc forcément, là je reviens avec le second tome et vous savez même pas ce qu'il en est du premier. Pour l'histoire, on va suivre cet homme qui s'appelle Unut ou Bi, ça dépend, juste la lettre B. Concrètement, cet homme ne peut pas mourir. Donc quand on commence le premier tome, on ne sait pas qui elle agit là, ni d'où il vient, ni pourquoi est-ce qu'il ne peut pas mourir. En gros, juste on nous présente ce mec qui est habité par une violence qu'il doit assouvir en tuant des gens et qui est indestructible, qui ne meurt jamais, peu importe ce qui lui arrive, il peut être brûlé vif, il peut être découpé en morceaux, il peut être disséqué. C'est quand même assez violent, je préfère vous prévenir, c'est pas un comics qui est tendre, il y a des scènes qui sont hyper violentes avec beaucoup de démembrements, beaucoup de viscères qui sont présents, c'est un peu crappy, donc si vous êtes sensible par rapport à ça, je vous déconseille fortement de lire ce comics, ça ne vous plaira pas du tout. Mais au-delà de ça, c'est un mec qui ne peut pas mourir et qui a des sortes d'épisodes de violence vraiment inouïs avec, en plus de ça, une force surhumaine. En gros, autant vous dire que c'est un soldat parfait. Il fait partie d'une organisation militaire, puisque cette organisation militaire crée une sorte de pacte avec lui, dans le sens où il prend part aux missions militaires, etc., ce qui peut forcément leur servir. À côté de ça, eux, ils font des recherches et ils essaient de comprendre ce qu'il en est de sa personne et essayer de lui trouver une solution pour qu'il meure enfin, puisque c'est son but, en fait, de mourir après toutes ces années. Voilà, le pitch de base. J'ai beaucoup apprécié la suite de ce tome. On a quelques découvertes qui sont hyper chouettes. J'aime toujours les sujets qui sont abordés comme finalement le premier. On parle de violence, on parle d'amour, on parle d'amour d'autrui, on parle de but et on suit toujours ce personnage qui est, je trouve, plutôt intéressant parce que c'est un mec qui a 10 000 ans, donc autant vous dire que... Il a de la bouteille et je trouve ça intéressant de voir le protocole qu'il a mis en place et son rapport à la violence et à l'humanité. Bref, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont sous-jacents, qui sont pas forcément dits mais qui amènent une réflexion qui est plutôt intéressante. Après, on peut le prendre comme un comics hyper violent et sans plus de lecture que ça.
C'est possible aussi, moi personnellement je trouve qu'il y a quand même une idée sous-jacente qui est là, même si bah, de prime abord c'est ultra violent et c'est juste un mec qui peut pas mourir et qui veut tout faire pour concrètement. Et je trouve qu'il y a une seconde lecture parce que ça amène tout ce concept d'humanité finalement, de vie, de mort, où est-ce que son humanité commence et où est-ce qu'elle s'arrête quand on n'a pas d'enjeu finalement. Concrètement il ne peut pas mourir, donc ça le confronte à des situations dont genre il saute d'un avion, il part à la guerre comme ça, il sauve ses camarades et il a une relation à la mort qui est hyper particulière. Et là dans ce tome-ci on a un petit peu survolé aussi la question de l'amour, parce que bah, c'est un homme qui ne meurt pas, donc qui ne vieillit pas, et il est confronté à l'amour. Bah, ça peut être l'amour avec une partenaire, parce que dans le livre il a eu que des partenaires femmes. C'est aussi l'amour de toutes les personnes qui l'entourent en fait, parce qu'elles disparaissent et ça peut mettre une distance avec tout ça. Bref, je suis en train de m'étaler sur des trucs, je sais pas si c'est extrêmement intéressant, mais dans tous les cas voilà, moi personnellement j'ai beaucoup aimé la suite de cette lecture. J'ai trouvé qu'il y avait des planches qui étaient très belles, j'aime toujours le style et j'aime toujours le fait que l'histoire soit concise. Je trouve ça aussi très agréable puisqu'on ne s'étale pas sur des tomes et des tomes à aller à l'essentiel, et je trouve ça très agréable de directement aller dans le vif de l'action et dans le vif du sujet en fait. Et on a déjà en deux tomes qui sont bah, malgré tout assez courts, hein. Vous voyez la taille de ce tome-ci, et je crois que le premier est pas nécessairement plus épais. Je trouve ça quand même hyper intéressant d'aller directement dans le sujet et pas de prendre mille détours pour au final dire la même chose et juste bah, faire du bis parce qu'on sort plus de livres finalement. Parce que le premier tome, ça a été, je crois qu'il le disait dans celui-ci ou je sais plus. Désolée, je le coupe un peu de ma phrase, j'arrive. Il parle du coup de Keanu Reeves à la fin, je vous montre la page. En fait, on a tous ceux qui ont travaillé sur la BD, donc bah, les deux scénaristes et les deux dessinateurs. Et en parlant de Keanu Reeves, ils disent il a fait ses débuts fracassants en bande dessinée avec Berserker, qui a connu aux États-Unis le meilleur lancement depuis 25 ans dans le domaine des comics. Donc c'est quand même énorme. Et tout ça pour vous dire que même s'il y a eu un départ qui était bah, plus que satisfaisant finalement, ils n'ont pas tourné en rond dans leur histoire, ils vont vraiment droit au but et je trouve ça hyper agréable. Il y a encore des révélations dans celui-ci et ce qui est trop cool c'est qu'il y a des révélations mais il y a aussi des interrogations qui se rajoutent. Déjà bah, du fait que forcément l'histoire avance et qu'on en apprend plus sur Bi ou Unut, ça dépend comment vous l'appelez. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, j'essaierai de pousser un petit peu plus dans le point de lecture que je vous ferai en parlant du premier, parce que là du coup c'est un peu décousu vu que c'est le deuxième, mais je vous en ai pas encore parlé du premier. Et puis voilà, écoutez, là pour l'instant il est 22h20, je vais commencer The Nice House on the Lake je pense, et puis je pense que je le terminerai dans le foulé, et puis je vais voir si je vais commencer soit du coup Eowulan ou Naruto ce soir, je verrai bien, et puis bah, je pense que ce sera un challenge qui sera plutôt réussi ma foi. Pardon, mais la maison en fait, c'est trop, c'est absolument sublime. Il y a des fenêtres tout autour, il y a des bouts de pierre apparentes de la falaise avec des bibliothèques, une cuisine incrustée en fond, un piano, un énorme espace. C'est où qu'on trouve ça? C'est trop beau, j'adore. Bon, je me doute bien qu'à un moment donné ça va être la grosse merdasse, mais la grosse merdasse dans un lieu comme ça, il y a pire. Je reviens juste vous parler vite fait, je viens de terminer le chapitre 1. D'accord, on rentre direct dans le vif du sujet et c'est vénère, hein. La vache, on n'a pas le temps de niaiser quoi. Je pensais que ça allait vraiment prendre tout le temps et qu'on allait vraiment poser le truc tranquille, mais on plonge dans le truc. Et je trouve ça par contre trop cool comment est-ce que les personnages sont présentés. Je trouve ça trop bien, chacun a une petite description avec un nom qui est propre à chacun et un petit signe qui leur est lié. Et je trouve ça trop intelligent comme principe. Bref, en tout cas là je voulais juste vous revenir vous voir parce que je voulais vous dire que je suis happée fois 1000. C'est sûr que je vais le terminer ce soir en fait. Je reste pas là-dessus, c'est mort. We'll be right back.
ça va? Écoutez, moi j'ai bien dormi, du coup c'était plutôt chouette. Comme vous avez pu le voir, j'ai été faire un petit tour ce matin avec mon chien. Avant de réentamer ma lecture, je viens vous parler de ce que j'ai lu hier soir. The Nice House on the Lake. Voilà. Et c'était trop bien. Clairement, l'année 2024 commence sur les chapeaux de roue, puisque je pense que je peux dire que c'est un coup de cœur. J'ai vraiment adoré ma lecture, c'était trop bien. Je faisais des allers-retours pour chercher les petits indices et tout. Je regardais les petits symboles. Franchement, j'ai trop aimé ma lecture. Je trouve que le scénario et la construction du scénario est extrêmement intelligent. J'ai adoré me plonger dans cette histoire. C'est hyper haletant, on a trop envie de savoir. Et les persos sont tous ensemble coincés dans un huis clos et on est trop coincés avec eux et on essaye trop de découvrir un truc avec eux. Au-delà de ça, ce qui se passe autour, c'est vraiment affreux et on se rend compte, enfin, oh là là, c'est trop bien. Franchement, je vous jure, j'aime trop. À tel point que j'en ai rêvé cette nuit, hein. C'est pour vous dire. Aïe aïe aïe. Bon, en même temps, j'avoue, j'étais grave impliquée, donc c'est peut-être pour ça, mais ah, on a un petit chien. Bonjour mon cœur. Tu vas te coucher? Non, apparemment. Donc pour l'histoire maintenant, je peux vous dire clairement que c'est un huis clos forcément qui, avec des gens qui sont coincés dans cette maison au bord du lac. Ces personnes ont été invitées par Walter, qui est un ami commun à tout le monde. Walter a passé plusieurs stades de sa vie forcément, il a été au lycée, à la fac, et il a fait des rencontres ensuite. Et en fait on se rend compte qu'il y a bah, par exemple son groupe le plus proche de lycée, les gens avec qui il était à la fac, et une personne qu'il a rencontrée il y a quelques années, pas si longtemps que ça. Et en fait il les a tous invités dans cette maison pour soi-disant passer du temps tous ensemble, parce qu'il voulait les réunir tous et parce qu'il les aime tous et qu'il a envie de passer un temps de qualité avec tous ses amis proches. Donc il les invite. Certaines personnes qu'il avait invitées n'ont pas pu répondre à l'appel, mais la plupart des gens ont réussi à venir. Donc on se rend compte que forcément le point commun entre toutes ces personnes, c'est Walter. Et comme je vous le disais hier soir, on va être très vite plongé dans l'intrigue et ça ne va pas du tout tergiverser. On va vraiment plonger dedans directement et c'est pour ça que c'est aussi prenant et aussi haletant, parce que vraiment on est parti avec eux directement. C'est la tornade qui passe et on part avec quoi. Après avoir répondu à l'appel de Walter et après avoir visité toute la maison, etc., ils commencent à se détendre tous ensemble et ils vont se rendre compte très vite que autour d'eux et au-delà de la maison, c'est la fin du monde et que tout le monde est en train de mourir de façon atroce. Et bah du coup ils commencent à paniquer et c'est là que va s'en suivre plusieurs péripéties. Ce qui est trop bien aussi, c'est que vu qu'on est très vite dans l'action, on va vraiment découvrir pas à pas et on va suivre avec eux les différentes intrigues en fait, parce que forcément Walter il est malin et il n'est clairement pas humain, donc c'est une intelligence extraterrestre auquel ils sont confrontés. Déjà le décor est incroyable, il y a des sortes de statues un petit peu cheloues un peu partout qui ont certaines propriétés. La maison est juste, comme je vous le disais hier soir, sublime, le cadre est incroyable. Ils vont découvrir comment est-ce qu'ils peuvent se nourrir, ils vont découvrir qu'ils peuvent avoir accès à certaines choses, et en fait tout ça on le découvre petit à petit, et ce qui est trop bien c'est que c'est haletant du début jusqu'à la fin, et on est vraiment plongé avec eux du début jusqu'à la fin, enfin de ce tome, parce qu'il y a une suite heureusement. Et ce qui est aussi trop cool et que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est à différents moments du temps en fait, sur la ligne du temps. Parfois on est dans le passé où on découvre les liens que Walter il a créé avec ces personnes, et on a aussi des moments où les personnages nous parlent du futur et on a quelques décors et on voit en fait où est-ce que ça en est. On se demande en fait ce qui s'est passé entre temps et ça nous titille encore plus la curiosité, on essaye encore plus de comprendre et de mettre tous les trucs bout à bout. On sent que l'histoire elle a été pensée et forcément l'ajout du graphisme est un plus incroyable, puisque toute l'ambiance déjà dans les couleurs, le dessin, j'aime beaucoup étonnamment parce que c'est très réaliste comme ça, vous voyez. Et je vous avais dit l'année dernière, bah d'ailleurs c'était pour Blackmagic, que ça me dérangeait un petit peu et que j'étais pas hyper friande de ce type de dessin où ça se rapproche vraiment de la réalité en termes de dessin tout simplement, et qu'on a l'impression d'être un peu confronté à une photo figée. Et au final là, je trouve que c'était pas du tout ça, parce que il y a un bon mélange entre couleurs, traits, vraiment là pour le coup le trait réaliste, mais vu que c'est des traits qui sont quand même assez épais, avec des sortes de camaïeux de couleurs parfois sur les pages, je trouve que tout se mélange extrêmement bien. Et par contre la retranscription des émotions est assez dingue, bah du coup au niveau vraiment dessin et graphisme, il a été très fort, et ça apporte un plus incroyable à l'histoire. Vraiment, je n'ai aucun point négatif à dire, hormis que je suis pas... comment dire, extrêmement engagée avec les personnages, non pas dans l'histoire, parce que je pense que vous l'avez compris, je suis à 100% dedans, mais plus dans l'attachement que j'éprouve pour eux. J'ai pas une extrême empathie pour chaque personnage, je me suis pas extrêmement attachée à eux, mais je pense pas que ce soit le but non plus de l'histoire finalement,
parce qu'on passe plus de temps à essayer de comprendre la situation plutôt qu'à plonger vraiment dans tous les personnages. Il y en a un que j'aime bien, mais ça je pense que c'est juste propre à moi. Je pense que le livre ne fait pas en fonction d'eux, mais ça m'étonne pas en fait que les personnages, j'allais dire, ne soient pas au centre, mais s'ils le sont parce qu'on est coincé dans un huis clos. Mais j'ai envie de vous dire, c'est plus des pions sur tout le jeu d'échecs, et nous ce qui nous intéresse c'est le jeu d'échecs en fait. Voilà, donc franchement je n'ai rien de négatif à dire sur ce livre, c'est un gros coup de cœur et je suis trop contente de commencer mon année comme ça. On est le 16 janvier et j'ai déjà un coup de cœur, ça change l'année dernière et ça fait trop plaisir. J'ai hyper hâte de continuer et je pense que ça va passer sous peu, même si là, bah, comme vous le savez, j'ai d'autres livres à lire pour ce 24 heures d'automne. Dès que j'ai terminé, clairement le 2 il va y passer, enfin je peux pas m'arrêter comme ça, c'est pas possible. En plus ça termine sur une espèce de cliffhanger où vraiment tout est crescendo en fait, et c'est ça qui est trop bien aussi, c'est que déjà on commence, on est plongé dedans, on se dit waouh, direct, ok, pas le temps de niaiser, et plus ça va, plus c'est crescendo et plus on découvre des trucs qui sont encore plus what the fuck et plus on a envie de connaître la suite. C'est vraiment orchestré d'une main de maître et si je peux vous conseiller un livre pour l'instant dans ce 24 heures d'automne, c'est clairement celui-ci. En tout cas, si on a à peu près les mêmes goûts, je pense que vous ne le regretterez pas. Voilà, je pense que je vais m'arrêter de déblatérer sur ce livre. J'en ai déjà assez dit. Si vous avez d'autres questions, bah surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire pour qu'on puisse continuer à en discuter si vous voulez. Je ne reviendrai pas dessus en point lecture puisque bah, c'est bon, on va pas faire edit. Par contre, je parlerai du 2 certainement. Pour la suite des événements, vous avez vu que je vous avais montré quelques plans où j'avais commencé Naruto dans mon lit hier soir avant de m'endormir. Très honnêtement, je voulais pas commencer par Yuuilan parce que j'étais déjà assez fatiguée et je sais pas, je sentais plus Naruto. Vu que je connaissais déjà, ça me permettait de moins m'impliquer. C'est un grand mot, mais juste, bah, c'était une lecture qui était beaucoup plus simple que Eowyn, même si Eowyn c'est du jeunesse et c'est écrit très gros et tout. Écoutez les gars, il était 1h30 du mat, à un moment donné, bon, voilà. Donc, je me tâte, là, il est 10h53 actuellement. Je pense que je vais lire La Quête d'Eowyn, très honnêtement, parce que j'aimerais bien quand même alterner roman graphique, etc. Et bah là, pour le coup, c'est pas le cas, enfin, en termes d'équilibre. Et en plus, l'année dernière, quand j'avais fait mon 24h, et bah figurez-vous que j'avais lu La Quête d'Eowyn, le tome je sais plus combien, et j'avais terminé sur La Quête d'Eowyn et j'avais pas pu le terminer, donc je trouve ça un petit peu dommage de faire l'édit de l'année dernière. Donc je pense que je vais me lancer dans La Quête d'Eowyn, le premier tome, attendez je vais vous le chercher. Donc celui-ci qui est Le Monde des... j'ai dit La Quête d'Eowyn depuis tout à l'heure hein. Je crois bien. Bon, vous avez compris. Les Mondes d'Eowyn, donc le premier tome qui est La Forêt des Captifs, toujours de Pierre Bottero, toujours chez Rage aux Poches. Bah, c'est la suite, hein, concrètement, de tout ce qui est La Quête d'Eowyn. Donc on va juste reprendre toute notre petite troupe et puis continuer leur épopée, finalement. Je reviendrai dessus plus en détail une fois que je l'aurai lu. Et puis voilà, je vais arrêter de parler plus que ça, parce que ça fait déjà pratiquement 10 minutes que je vous parle. Donc ça fait 10 minutes de lecture en moins, sachant que j'ai quand même un livre de 300 pages avant qu'il y ait avant 15h. Donc let's go, hein. On va pas trop traîner non plus. Allez. Et ben encore une fois, je suis un peu en retard pour cette conclusion de vlog. Je suis désolée, on est à peu près 2 semaines, voire 3 semaines après. C'est pour dire, je m'en souviens déjà plus. Pardon. Je reviens vous parler vite fait des Mondes d'Eowyn, le premier tome ici, La Forêt des Captifs de Pierre Bottero aux éditions Rajo, que j'ai terminé du coup. Mais vraiment, sur le calm down, j'étais si fière de moi, autant vous dire que si j'avais voulu, je n'aurais pas réussi, clairement. Donc incroyable déjà dans un premier temps, bravo Hitler. Truc de fou. Donc j'ai réussi à lire ce roman en entier pendant le challenge, je suis ravie. C'est un livre, encore une fois, que j'ai beaucoup apprécié, mais ça, autant vous dire que j'avais très peu de doutes quant à la question, puisque tous ceux que j'ai lus avant de Pierre Bottero dans l'univers d'Eowyn, ça a très bien fonctionné sur moi. Qui plus est, je trouve qu'on prend de plus en plus en maturité, et je trouve ça très agréable, puisque en me mettant à la place d'un lecteur qui est bah, enfant, finalement, on grandit avec les personnages, donc c'est d'autant plus appréciable, et puis aussi c'est appréciable, moi, en tant qu'adulte, de voir évoluer les persos, et de constater une certaine maturité qui, bah, moi, me déplaît pas, concrètement. J'ai bien aimé l'intrigue, et c'est pas du tout ce que je pensais de base. Alors, on a quand même l'intrigue principale qui suit, du coup, La Quête d'Eowyn. On a un antagoniste présent, bon, etc. Je vais pas vous spoiler plus qu'il en est, mais en tout cas, ça, c'est ce que je pensais, et c'est le cas. Mais pour le coup, j'avais rien vu venir avec tout ce qui s'est passé, finalement, dans La Forêt des Captifs, puisque bah, j'avais pas lu le résumé au préalable. Donc, bah, j'ai découvert toute cette phase expérimentale sur les gens qui est showtime, hein, de ouf. Je m'attendais pas du tout à ça.
Et j'ai été encore plus surprise et encore plus happée dans l'histoire parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai hâte de lire la suite, même si de base je vous avoue que j'étais enjaillée à l'idée de lire Les Mondes de Willan pour très honnêtement clôturer Lana et retourner dans l'univers des Lana. Et ben là figurez-vous je prends un réel plaisir malgré tout à lire Les Mondes de Willan et je pense que je vais lire le 2 sous peu en fin d'année, en début d'année ce sera le cas et j'espère finir la trilogie et puis clôturer tout cet univers elle est beaucoup trop dans ma tête. Des Willan que j'ai vraiment beaucoup apprécié jusqu'à maintenant, mais je pense que ça va être le cas hein, très honnêtement, j'ai très peu de doutes sur le fait que je ne vais pas aimer la suite, ça m'étonnerait grandement. Bref, j'aimerais bien vous rajouter plus de choses que ça, mais j'ai l'impression de faire Reddit à chaque fois sur ce que je pense de Pierre Bottero, mais je trouve que c'est toujours un auteur excellent qui a vraiment une maîtrise de sa plume incroyable, qui partage toujours des valeurs qui résonnent en moi et qui sont, je trouve, extrêmement pertinentes pour un public plus jeune et moins averti que des adultes. Ça amène une réflexion sur la vie, ça amène une réflexion sur l'échange avec autrui, sur comment est-ce qu'on traite les gens, le monde, la nature, ce qui nous entoure, etc. J'adore les messages qui sont véhiculés dans tous les livres de Pierre Bottero. Ça fait trop plaisir de lire des livres jeunesse comme ça. Et puis ça ne change pas de tout ce que j'ai dit au préalable. Et je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous allez peut-être en avoir marre de m'entendre déblatérer à chaque fois la même chose. Donc je vais m'arrêter là, je suis désolée. Dans tous les cas, voilà, c'est une lecture que j'ai vraiment grandement appréciée, comme toutes les autres, j'ai envie de dire. Pour ce qui est quand même de vous faire un petit bilan général de ce 24 heures Riddatan, eh bien écoutez, ça a été vraiment un franc succès malgré tout. Comme vous l'avez vu, de toute façon, je n'ai pas pu terminer Naruto dans le temps imparti, puisque j'ai terminé ma lecture Willan littéralement 10 secondes avant la fin du chrono général, donc ça veut dire qu'en 10 secondes Naruto aurait été compliqué hein. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même terminé après coup ma lecture de Naruto que j'ai toujours fortement apprécié. Je pense que je vous le stipulerai dans un prochain point lecture que je l'ai lu, mais je reviendrai pas non nécessairement extrêmement longtemps dessus comme d'habitude, puisque y en a déjà 5 autres qui sont passés avant, donc c'est un petit peu redondant pour vous aussi. Au moins vous savez que c'est là, vous savez que ça a été lu et que j'ai clôturé un petit peu tous les livres que je voulais lire, pratiquement tout dans l'état imparti. Juste un qui a été extérieur au challenge. Voilà, donc je reviens du coup sur ce bilan général que je voulais faire de base. Je suis très contente d'avoir réitéré l'expérience cette année. Peut-être que je vais en refaire cette année, puisque l'année dernière, finalement, en 2023, je n'en avais fait qu'un seul en début d'année aussi. Je sais pas, apparemment, ces débuts d'année, ça me donne des envies livresques incroyables. Je ne sais guère. Dans tous les cas, c'était une expérience qui me plaît beaucoup à chaque fois. Généralement, je le fais, vous savez, quand j'ai un trop-plein et que j'ai vraiment besoin de prendre un temps off et je me coupe de tout et je ne fais que lire, et c'est très appréciable pour moi en tout cas. J'ai un profil d'introverti, donc peut-être que pour les gens extravertis ça va être plus compliqué, je ne sais pas, après on rentre dans la psychologie, MBTI, etc. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que moi en tant qu'introverti, qui est quand même un emploi du temps assez chargé parce que je cumule beaucoup de choses, non pas que j'ai pas envie de me plaindre sur ce que je fais parce que c'est par choix et que j'aime ce que j'entreprends concrètement, mais malgré tout c'est du temps qui est pris sur ma vie, tout simplement. Et du coup parfois j'ai besoin de couper net, et ces moments là où je fais que lire pendant 24 heures et que vraiment je me concentre que sur ça, malgré tout ça me fait hyper du bien et j'adore. Ça me fait vraiment une pause dans toute cette vie active que je mène, en gros. Donc voilà, si vous, ça vous chauffe de le faire, écoutez, je ne peux que vous conseiller d'au moins tenter l'expérience. Après, vous verrez si c'est pas fait pour vous. J'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave, hein, concrètement. Et puis au moins, ça vous donnera un petit ordre d'idée de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de lire. Ça peut être chouette de lire des livres en one shot, comme je vous le disais, je sais pas. Bon, ça fait très longtemps que j'ai fini le montage en plus, mais bon, soit. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais moi personnellement j'aime beaucoup l'expérience de lire des Agatha Christie d'un coup d'un seul, puisque on suit une histoire policière et il y a que une seule intrigue en fait, et c'est comme si on était dans un huis clos et qu'on avait tous les petits éléments qui suivaient au fur et à mesure. Donc je trouve ça vraiment extrêmement agréable de lire tout ça d'un coup d'un seul et de découvrir en fait l'entièreté de l'intrigue de A à Z en une seule lecture. Franchement, pour Les Mondes de Willan et même pour The Nicers and the Lake, de toute façon je pense très honnêtement que je l'aurais lu d'une traite au vu du coup de cœur que ça a été. J'étais tellement happée dans le truc que je voulais pas m'arrêter. Donc voilà, c'est des expériences en fait, donc à vous de vous faire votre propre expérience à vous, de voir si ça vous plaît ou pas. Si vous voulez tenter, je ne peux que vous conseiller de le faire. Et puis si ça le fait pas, et c'est pas grave, vous tenterez autre chose et puis tant pis. Ou peut-être que vous êtes fait pour lire petit à petit, ou juste des petits moments par petit moment, ou une heure par une heure, ou deux heures par deux heures, que sais-je. De toute façon, on est tous différents, on est tous des lecteurs différents. Expérimenter, c'est la meilleure chose. Je sais pas du tout pourquoi je suis partie là-dedans. Je vais m'arrêter là. Je suis en roue libre, hein. Ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé. Ah oui, je voulais aussi en profiter pour vous passer un petit message. Je suis désolée pour mon inconsistance qui est de retour. J'avais plein de choses à faire à côté, donc j'essaye de faire au mieux comme d'habitude. Là, vous voyez, j'ai terminé pratiquement ma journée de travail et il faisait encore jour. En plus, les jours rallongent, donc ça m'aide clairement à avoir plus de temps, même si je peux mettre ma ring light. Bref, j'en profite du coup pour venir vous clôturer ce petit vlog ici. Si j'arrive à le monter dans la foulée, ce sera super. Et puis sinon, c'est pas grave. J'ai bien compris et je l'entends. Et merci beaucoup de tout cœur d'être extrêmement bienveillant par rapport à ça. Quand j'ai communiqué sur le fait que j'aurais pas le temps de vous sortir la vidéo dans les temps, vous avez tous eu une réaction vraiment
juste adorable en fait. Vous m'avez tous dit que c'était ok, il fallait pas que je m'inquiète et que vous seriez toujours là, et je vous remercie grandement de m'encourager de la sorte, c'est vraiment très appréciable, donc je tenais à vous remercier de vive voix. Voilà, merci. Écoutez, ça y est, j'ai enfin conclu ce vlog. Décidément, je pense que j'ai une malédiction de vlog qui dure dans le temps, même si je fais des... c'est censé être très court. Peut-être qu'un jour ça va switcher, hein, sait jamais. Je ne perds pas espoir, sachez-le. Sur ce, j'ai terminé pour de vrai. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et on se dit à très bientôt. Bisous.